Moi, je m'appelle Jean-Marc Daniel, je suis professeur d'économie à l'École supérieure de commerce de Paris, dite ESCP Europe, et j'interviens dans ces tables rondes dans le cadre d'un partenariat entre l'ESCP et l'Institut du monde arabe. J'en profite donc pour saluer le président Jacques Lang, dont je remercie de sa bénévolence à l'égard de notre institution, de notre école et de tout le travail qui a été accompli à commun. Pour ma part, c'est la troisième table ronde que j'anime, non pas dans le cadre de la journée du Maroc, mais dans le cadre des relations entre l'ESCP et l'Institut du monde arabe. La fois précédente, nous avions parlé de financement dans le monde arabe, et donc on va revenir sur cet aspect en centralisant notre propos sur le Maroc. Le Maroc est un pays qui, sur le plan de son financement, est un pays qui est marqué par un déficit de sa balance des paiements courants très important, donc 10% du PIB pour les derniers chiffres que l'on a. 10% du PIB, c'est-à-dire qu'il y a besoin de financement de l'économie marocaine. L'économie marocaine a besoin de se financer. Et en général, quand dans une économie, quand vous avez un besoin de financement, soit c'est parce que vous avez un fort développement, ce qui est le cas du Maroc, c'est-à-dire vous avez un besoin qui correspond à la nécessité de se développer, soit, comme hélas pour notre pays d'accueil qui est la France, vous avez un assez fort déficit de la balance des paiements courants qui est lié au fait que vous avez un excès de consommation. Et donc, on va regarder comment, face à ce besoin de financement, à ce besoin d'investissement, à cette capacité de drainer l'épargne, comment le système monétaire et financier marocain répond. Alors, pour ceci, je vais demander aux personnes qui sont autour donc de ces tables de se présenter. Et puis ensuite, je reprendrai la parole et je distribuerai le micro sur trois thèmes essentiels. Donc, le premier thème, c'est... comment est-ce que, et notamment au travers de l'existence de Casablanca, comment est-ce que l'épargne est drainée vers l'économie marocaine? Deuxièmement, comment est-ce que la société marocaine gère son épargne, gère sa finance dans une société qui est encore assez peu bancarisée, où il y a des capacités d'extension par la bancarisation et la transformation de l'utilisation de la monnaie fiduciaire en monnaie scripturale? Et puis... Un petit couplet, mais qui ne serait pas forcément au centre de nos propos, qui sera sur le fait qu'en tant qu'Européens, on ne peut constater qu'une chose, c'est que le Maroc a l'euro au sud et l'euro au nord. Au nord, c'est évident. Au sud, ça s'appelle le franc CFA. Et donc, est-ce que le Maroc se sent euro ou dollar? Ce sera plus une question un peu sentimentale que je poserai aux intervenants. Ce que je vous propose donc, c'est de commencer par un tour de table de présentation. Ensuite, je reprendrai le micro pour redistribuer la parole sur les thèmes que je viens d'aborder. Je vais commencer par vous. Allez-y. Merci. Saïd Ibrahimi, directeur général de Casa Finance City, la plateforme économique et financière que le Maroc a lancée en 2010 pour justement drainer les investissements, les financements vers l'Afrique. On aura l'occasion d'en reparler. Ladiche Baynou, directeur général du groupement professionnel des banques du Maroc, tout simplement l'équivalent de la FBF française. Bonjour, Jamal Lemridi, directeur général du Crédit du Maroc, filiale d'un grand groupe bancaire français et international, Crédit Agricole. Brahim Benjelloun Touimi, je suis administrateur directeur général d'un groupe, le groupe BMC Bank, qui est à peu près présent dans 30 pays, dont 20 en Afrique subsaharienne, un groupe d'environ 30 milliards d'actifs, moins de 2 milliards d'euros de fonds propres, présent encore une fois dans 30 pays, 11 000 employés, 1100 agences, 4 millions de clients. Voilà, rapidement, sa fiche technique. Bonjour, Laurent Dupuche, président du directoire de la BMCI. BMCI, c'est la filiale de BNP Paribas au Maroc. Alors, après Brahim, je vais dire quand même, c'est 3200 personnes, 380 agences, 800 millions d'euros d'investissement en fonds propres et 7 milliards d'engagement au service de l'économie marocaine. 7 milliards d'euros. Bien, merci. Donc on a de la surface financière quand même. Il y a quand même des grands groupes et on sent qu'il y a, il y a du fonds propre, du moins j'espère. Nous allons vérifier, en tout cas, s'il y a, indépendamment du fonds propre, quelle est la dynamique de financement qu'il y a derrière. Donc pour en revenir à mon propos, je pense que, on en avait parlé la dernière fois, un des grands enjeux des pays émergents, c'est de financer effectivement leur développement. Vous avez des pays émergents qui bénéficient d'une rente qui est une rente pétrolière, et pour ceux qui
connaissent un peu mes propos et mes écrits, la rente, c'est mon ennemi. Et donc, vous avez des gens, des pays qui ont du talent. Et donc, comme le Maroc n'a pas de rente, je vais demander au premier intervenant, donc, qui est le responsable. Donc, alors, je vérifie bien, c'est Casablanca Finance City Authority. Exactement. Quelle est la forme de talent que vous développez pour attirer les capitaux qui vont assurer au Maroc sa capacité de développement ? Merci. Écoutez, comme je l'ai dit en préambule, notre ambition est d'attirer des capitaux vers le Maroc, mais pas seulement vers le Maroc. Nous voulons être un vecteur de financement de l'Afrique, et au moins de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Nord. Quelle est un petit peu la problématique et le rationnel derrière tout ça ? L'idée sous-jacente, c'est que, il y a nécessité d'avoir une place financière pour assurer le développement d'une région. Quand on sait que la proximité d'une place financière est très importante, pour contribuer à l'expression du potentiel de développement d'une région. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si on se remet en 2010, en regardant la carte des places financières internationales, on avait au niveau de l'Europe une certaine densité de places financières, il y en a plusieurs, aux États-Unis bien évidemment, en Amérique du Nord, en Asie, mais l'Afrique était un petit peu le parent pauvre, avec une place financière reconnue qui est la place de Johannesburg, qui dessert l'Afrique australe, la place de Maurice qui est plus un centre de domiciliation de fonds d'investissement, sans contribution réelle au financement de l'économie, et puis c'était tout sur l'Afrique. Or l'Afrique est aujourd'hui reconnue comme prochain relais de croissance, elle a des besoins très importants de financement, et il était évident qu'il y avait besoin de lancer un projet de place financière pour contribuer à drainer des capitaux sur une partie, en tout cas délaissée, du continent. Alors pourquoi le Maroc s'est lancé dans cette ambition ? Parce que CASA Finance City est une ambition nationale. Tout d'abord parce qu'on a un secteur financier qui est extrêmement développé, qui a une forte présence en Afrique et qui pouvait servir de relais. Ensuite, il y a les avantages intrinsèques du Maroc, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus loin. Et puis, on a considéré qu'il y avait matière à créer un hub économique et financier au sein de Casablanca. Alors, juste une parenthèse pour préciser ce qu'on entend par place financière. J'ai eu tout à l'heure une interview avec une jeune journaliste qui confondait la place financière et la place boursière. La place financière, c'est avant tout un écosystème où on a des institutions financières au sens large et des services professionnels, la bourse étant un élément de la place financière. Alors le modèle que nous avons adopté à Casablanca, ça a été d'avoir des institutions financières au sens large, tout ce qu'on peut appeler institution financière, tout ce qu'on peut mettre sous le vocable institution financière, tout ce qui est services professionnels associés, cabinet d'avocats, cabinet de consultants, auditeurs, experts comptables, analystes financiers, etc. Et puis nous avons adjoint également les sièges régionaux de multinationales qui s'intéressent à l'Afrique, toujours dans la perspective de drainer des investissements vers le continent. Donc nous avons créé un écosystème autour de ces trois catégories d'institutions qui ont vocation à s'intéresser à l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons, pour revenir à votre question, comment on draine le financement vers l'Afrique, nous avons plusieurs, notamment fonds d'investissement dédiés à l'Afrique, qui sont installés à CFC et qui, depuis CFC, gèrent quelques milliards de dollars aujourd'hui, entièrement dédiés à l'Afrique. Donc j'aurai l'occasion peut-être de développer tout à l'heure sur cette thématique. Merci. Merci. Vous verrez qu'on a choisi un plan de table très astucieux parce que l'intervenant suivant, c'est celui qui est immédiatement à la droite. Très bien, merci. En réalité, c'est pas par hasard. Je crois que l'ordre des intervenants a été établi. CASA Finance City, le secteur bancaire, les banques marocaines, ils étaient dans le projet. Nous avons construit ensemble, et c'est très important, CASA Finance City est une œuvre concertée entre Banque du Maroc, les banques, le secteur financier en général. Deux, ce qu'a dit Saïd Ibrahimi sur le drainage de l'épargne
vers le Maroc, mais vers l'Afrique également, à travers ce hub financier qui est Casa Finance City. Il est global, c'est-à-dire il n'est pas uniquement, on en parlait ce matin, ça va drainer d'autres, et il draine d'autres secteurs. On a parlé ce matin de l'aéronautique, de l'électronique, de tous les métiers mondiaux du Maroc. Donc c'est une plateforme en réalité multifonctionnelle, multidisciplinaire pour notre pays, pour la région Afrique. Trois, j'avais entendu parler, mais certainement Ibrahim va en parler davantage, que c'est une nouvelle place financière. En réalité, c'est tout un historique depuis plusieurs années, ouverture du Maroc, économie de marché, secteur bancaire développé, encore plus développé depuis les dernières 20 dernières années, et c'est très important pour nous. J'aurais souhaité aussi parler de la solidité, du respect des règles prudentielles, j'aurais souhaité parler par le secteur bancaire marocain, j'aurais souhaité parler de le renforcement de leurs fonds propres, de leur supervision bancaire, j'aurais souhaité parler de leur capital humain, d'un certain nombre de forces qui font que le secteur bancaire marocain aujourd'hui est un modèle. Et il ne faut pas rougir de le dire. C'est un modèle au niveau de la région MENA, c'est dit par les institutions financières, mais également, il est aussi au niveau donc, de l'Afrique, par sa vision, par sa stratégie, par son engagement volontariste. Et cette fois, ce n'est pas de la créativité forcée, mais c'est de la créativité volontaire. Moi, je dirais, c'est la créativité volontaire du secteur bancaire marocain de se trouver en Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les analystes, tous les professionnels, toutes les institutions concluent que la vision, peut-être à l'époque considérée comme chimérique pour certains, la vision des banques marocaines au niveau de l'Afrique s'est avérée payante, mais avec un partenariat gagnant-gagnant, avec un échange qui se justifie avec nos amis africains par l'histoire. Tout ce matin aussi, on a parlé le pourquoi. Le pourquoi et l'histoire. Il y a cette identité à la fois historique dans certains pays, religieuse, cette relation aussi, amicale. Et ça, c'est ce capital immatériel dont on parlait. Mais là, c'est une partie du capital immatériel. L'Africain fait confiance aux Marocains. C'est très important. Et c'est là, c'est une consécration de ce capital immatériel qui est très important, que selon certains analystes, qui peut constituer de 1,5 à 3% du produit national brut, quand s'il est bien exploité, ce capital est mis en œuvre. Donc j'aurais souhaité parler aussi de tout cela. En parlant de financement, ce matin, j'ai entendu beaucoup, et à juste titre, revenir le financement de la TPME et de la PME. De la PME, moi je parlerai de la TPME, la toute petite et moyenne entreprise. Et là, je crois que c'est un modèle aussi qu'on pourrait partager ensemble tous, mais également exporter. Le financement de la TPME constitue l'un des principaux soucis des banques marocaines, avec notre banque centrale, la Banque Al-Maghrib. 95% du tissu productifs marocains sont des TPME. Des PME, puis émergence d'un certain nombre de TPE. 40% pratiquement de la production nationale. 50% donc de l'emploi. C'est vraiment très, très important dans un pays. Et ce n'est pas propre au Maroc, ça se vérifie dans plusieurs pays, c'est entre 80 à 95%. Qu'est-ce que nous avons fait pour cela, concrètement? Et c'est là aussi, c'est l'engagement, je dirais, concret. C'est que, surtout récemment, d'abord dans un marché libre et concurrentiel, les banques, je m'excuse des termes, se battent sur ce créneau. Ça, c'est très important pour, bien entendu, les projets viables et bancables, ça va de soi. Mais également de manière collective. Quelques exemples de ce qui a été fait. Au niveau d'abord du partenariat public-privé, c'est une stratégie nationale que de porter. D'accompagner, je n'aime pas le terme assister. Les TPME n'ont pas besoin d'assistance, ils ont besoin d'accompagnement. Et donc ce partenariat public-privé, avec une stratégie consignée, avec des engagements précis du public, mais également du privé, pour l'environnement des affaires. Et le Maroc récemment a gagné encore une fois 16 points sur le climat des affaires pour faciliter les procédures administratives, au niveau de la fiscalité, au niveau de l'accès au financement. Et c'est très important pour nous. Et donc, il y a ce partenariat
public-privé, mais en parallèle et en plus donc des initiatives des banques, il y a un travail collectif. Quelques exemples. La ligne de refinancement mise en place, je m'excuse, je dois parler concret, par Banque du Maghreb, permettant aux banques d'accéder, vous parliez de financement, à un refinancement supplémentaire par rapport à ce qu'elles auraient eu pour financer exclusivement les TPME. Et c'est une mécanique qui marche depuis maintenant une année, si mes souvenirs sont bons. Deux, création, je crois, pour la première fois en Afrique et dans le monde arabe, d'un observatoire national de la TPME. C'est un observatoire qui est mis en place aujourd'hui avec public, privé, les entrepreneurs, la CGM, la MPME, l'Agence nationale pour le développement de la PME, la Caisse centrale de garantie, donc toute une série de partenaires publics et privés et qui a pour le Haut Commissariat du Plan. C'est très important pour justement avoir une image réelle sur l'état de l'accompagnement du TPME. C'est important parce que tout le monde, dans tous les pays, vous allez aux États-Unis, dans le monde arabe, j'en viens la semaine dernière, les banques ne financent pas les TPME, les banques demandent trop de garanties, les banques ne financent que... Ça, c'est classique dans tous les pays. Mais en réalité, il faut apporter des réponses pratiques. Et là, cet observatoire va donner cette image, des statistiques, des études sur cette question. Deux, création également de la Fondation marocaine depuis quelques mois de l'éducation financière. On parlait ce matin de l'inclusion financière. Là aussi, public et privé sont là-dedans. Financé pour une bonne partie par le secteur bancaire, comme l'observatoire d'ailleurs de la PME. Et là aussi, l'objectif, c'est d'éduquer. On parlait de fracture numérique il y a quelques temps. On parle aussi de la fracture bancaire et financière. Aujourd'hui, cette fondation a pour objectif de vulgariser, sensibiliser les jeunes, les enfants. On a commencé à le faire déjà depuis 33 ans. Depuis 3 ans, avant même la création de la fondation. On a pour cible également les TPME, mais également les particuliers dans les régions les plus éloignées. On peut parler du capital humain, mais l'élément humain est très important, non seulement en tant que RH, et là nous devons tirer chapeau aux ressources humaines du secteur bancaire qui ont fait du secteur ce qu'il est aujourd'hui, mais également il faut s'attaquer aux personnes dans des patelins, dans des régions lointaines, pour leur permettre d'accéder aux services bancaires. Est-ce que les banques marocaines font individuellement par l'ouverture des agences, par l'étude, même parfois à fond perdu, dans des coins perdus, mais pour être tout près donc de leurs clients ou des citoyens pour leur permettre d'ouvrir des clients. Vous allez me dire, mais le niveau de salaire, mais là aussi, il y a un certain nombre de revenus, de règles ou de dispositions qui ont été prises, de commun accord avec le Maghreb, 16 opérations gratuites, sans commission, c'est récent. Ouverture d'un compte bancaire sans engagement de fonds au départ, c'est très, très important. Accès aux cartes de crédit prépayées, vous allez me dire, les gens mais sont analphabètes. Non, monsieur, j'avais la chance d'être pendant 10 ans administrateur de l'Agence nationale de réglementation des télécoms à titre personnel au Maroc, et quand on faisait les études pour l'accès au deuxième opérateur, on disait, oui, dans une année, le Maroc aura 1 million d'abonnés. Juste après une année, on a eu 3-4, aujourd'hui, nous sommes à 40 millions d'abonnés. Et sociologiquement, le citoyen marocain a prouvé qu'il était féru, qu'il était des technologies de l'information, et donc il pouvait accéder. Mais il y a autre chose sur le plan social. Avec une carte prépayée, vous avez un fichier, vous pouvez permettre à un citoyen d'accéder, je vais m'arrêter là, à un service d'assurance à 50 dirhams, l'équivalent de moins de 50 euros, pour pouvoir, par exemple, à 5 euros, je veux dire, pour pouvoir justement permettre à son épouse qui accouche à 2 heures du matin d'être transportée vers le dispensaire le plus proche, regardez. Donc la dimension du secteur bancaire va et malheureusement... Ah oui, c'est tout à l'heure. Il y aura tout sur la responsabilité civile, la responsabilité, je dirais, citoyenne, justement, donc des banques, c'est important. Donc je voulais mettre en exergue ces quelques... Et récemment, et c'est en cours, nous organisons, c'est la proximité, je terminerai par là cette fois, une campagne régionale avec les TPME. Nous avons visité jusqu'à aujourd'hui 10 villes, il nous reste 15, et on se réunit avec les TPME, en préparant tout cela pendant plusieurs mois sur leurs problèmes, leurs doléances, mais en allant avec des réponses et des nouveautés.
Et nous avons constaté une chose, effectivement, c'est que les TPME, comme dans tous les pays du monde, mais surtout chez nous, il y a un déficit d'information. Il y a des produits. Tout à l'heure, là-bas, ce matin, parlait d'un certain nombre de produits, mais nous avons plusieurs produits au niveau marocain, mais il y a certaines régions qui sont encore au niveau de l'information sur ces produits bancaires destinés aux TPME encore déficitaires. Enfin, je voulais ajouter une chose, c'est que ce matin, il y avait, on dit, francophones réunis ici où. Je ne peux pas me permettre d'être à Paris et d'avoir été hier à une réunion de l'Union bancaire francophone qui a été créée en 2012 à Marrakech à l'occasion de la première rencontre de l'Union des banques francophones justement sur la PME. Nous avons organisé par la suite à Bruxelles une sur l'éducation financière et nous aurons une autre à Beyrouth sur la sécurité bancaire. Et nous nous sommes déjà réunis. Et là aussi, regardez, c'est une créativité volontaire. Avec peu de moyens, l'Union bancaire francophone, avec nos amis africains, avec le Nord, l'Europe, le Maghreb, les pays arabes, même ceux qui ne parlent pas le français. Nous sommes avec la présence à Marrakech, on l'a fait, de M. Abdou Diouf, le président donc, de l'organisation. Et là, nous touchons également au même thème. Finalement, nous sommes tous d'accord sur le thème, sur le financement des TPME, l'éducation financière, la sécurité, finalement, c'est l'élément humain qui est au centre. Et quand on a des réponses à l'élément humain, je crois que la sécurité, à la fois sociale, politique et économique, suit certainement. Je vous remercie. Merci. On a abordé beaucoup de sujets, donc je vais demander à la table ronde de poursuivre autour donc cette vision de Casablanca, centre d'une finance tournée vers l'Afrique, mais aussi d'une finance tournée vers les TPME, vers la réalité quotidienne de Maroc en développement. Donc on va continuer avec un banquier de terrain. Bien. Je voudrais donc apporter un complément par rapport à l'intervention de M. Ibrahimi concernant la place financière. La place financière, une place financière tout au moins à ses débuts, ne peut pas vivre ou se développer indépendamment de son environnement, c'est-à-dire du pays dans lequel elle est implantée. Il faut qu'il y ait une dynamique de développement dans ce pays, et c'est le cas du Maroc. Le Maroc y a entrepris un certain nombre d'actions, de plans stratégiques, sectoriels. On parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente du plan Maroc vert, mais il y en a d'autres, le plan émergence industrielle, qui s'est en fait transformé en pacte ou plan d'accélération industrielle. Il y a le plan Aliotis, dont on a parlé également ce matin. Il y a la vision touristique 2020. Il y a des tas d'autres plans sectoriels de développement ambitieux pour l'économie du pays. Donc c'est aussi un pays qui, en fait, a créé un climat favorable pour l'investisseur étranger de par le cadre institutionnel, réglementaire. C'est un pays qui a réussi également donc à tenir la confiance des analystes, des observateurs étrangers, puisque sur les trois principales agences, deux, donc Standard & Poor's et Fitch, le classent en investment grade. Donc c'est qui est, par les temps qui courent, une qualité importante. Donc voilà, l'environnement est important pour le développement d'une place financière. Monsieur Ibrahimi a également parlé de services professionnels. Donc une place financière, ce n'est pas uniquement la bourse, ce n'est pas uniquement un système bancaire, des compagnies d'assurance, un secteur d'assurance, mais c'est également des services professionnels. Et il y a un signe qui ne trompe pas, ces dernières années, tous les principaux cabinets d'affaires ou d'avocats d'affaires se sont installés à Casablanca. Ils sont tous là, il y en a certains même qui ont un statut CFC. Donc tout cela, en fait, je dirais, va être déterminant dans le développement de cette place financière marocaine, dont le but, évidemment, l'objectif est d'attirer les capitaux étrangers et par là financer le développement du pays. Voilà ce que je voulais apporter. Merci, on va poursuivre cette expérience. Bien. Le thème de ce panel était « Est-ce que le Maroc, nouvelle place financière ?» Si vous permettez, non, ce n'est pas une nouvelle place financière, c'est une place financière qui est enracinée à l'histoire. La première banque au Maroc a été créée à la fin du 19e siècle à Tanger. Et puis bien des banques marocaines ont été et qui sont encore opérationnelles, ont traversé le XXe siècle. C'est une
je dirais que la place financière du Maroc est une place enracinée dans l'histoire, mais qui se renouvelle. Comment se renouvelle-t-elle ? D'abord, par l'approfondissement de la bancarisation. Ces thèmes ont été abordés dans les interventions précédentes. Il est fondamental de dire que la place financière du Maroc est au service de l'économie royale. Nous n'avons pas été obnubilés par les chimères de la finance spéculative qui a précipité le monde développé et financier mature dans la crise. Grâce à Dieu, nous avons été sanctuarisés par rapport à ces subprimes et tout ce qui a toxifié, si vous me permettez, la finance. De sorte que la place financière marocaine, c'est vrai, avec une part, par exemple dans le monde bancaire, c'est quand même 20% des actifs qui sont entre les mains d'étrangers, mais la place en général, quand elle est boursière, il y a une détention d'actifs qui est relativement limitée par les étrangers, mais en tout cas, c'est une place qui a été au service et qui reste au service de l'économie morale, qui a connu une extraordinaire poussée de la bancarisation. Il y a 15 ans, nous étions à des taux de bancarisation dans les 20%, nous sommes à l'heure actuelle à 62% en intégrant la banque postale. C'est quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire les banques ont ouvert assez massivement des guichets à travers le Maroc. Ce sont des banques universelles. Nous sommes très représentatifs sur ce panel de banques à majorité française, originaire, Crédit Agricole et BNP. Il ne manquait que la Société Générale et on aurait eu le... Et puis une banque privée. Nous sommes au service de l'économie réelle. Nous avons un taux qui est un indice justement de cette intermédiation assez forte. Nous avons le ratio de pénétration des crédits dans le PIB qui est dans les 80%, des dépôts dans le PIB qui est à peu près du même type. Nous avons du crédit sur dépôt, là aussi un taux d'intermédiation qui est au-dessus de 100%. Nous venons de 60% il y a juste quelques années. Nous avons également, et ça c'est fondamental, une lisibilité parfaite par rapport au monde international, puisque les normes prudentielles qui gouvernent le monde bancaire s'appliquent au Maroc. Nous sommes à Bâle III depuis juin 14. Il est vrai qu'il y a des mesures transitoires qui feront que plusieurs dispositions ne seront complètement en vigueur qu'en 2019, mais nous sommes lisibles. D'ailleurs, une banque comme celle que je représente, la Banque marocaine du commerce extérieur, a fait un appel à des fonds obligataires internationaux en novembre de l'année dernière. Nous avons fait le tour du monde. Nous étions tout à fait lisibles dans ce que nous racontions, dans les états comptables que nous affichions. Donc, c'est une banque qui se renouvelle par l'approfondissement de la bancarisation. C'est une place financière qui se renouvelle à travers son internationalisation. Nous avons, et pardonnez-moi de ne pas faire de donner l'impression que je fais le VRP de la Banque marocaine du commerce extérieur, mais je vous assure que ce credo, par exemple, africain, une banque comme celle que je représente aujourd'hui, elle l'a eu dès les années fin des années 80, lorsque nous avons restructuré une banque qui s'appelle la Banque du Développement du Mali, dans laquelle nous avons toujours une participation. En 2003, c'est la Congolaise de banque que nous restructurons. Nous y sommes toujours. C'est un fleuron du portefeuille de participation de la BMCE. En 2007, la banque de l'Afrique Bank of Africa, détenue aux trois quarts par le groupe BMCE Bank. Maintenant, tout le monde s'est engouffré, tout le monde, je parle des banques et ce qui n'est pas banque, dans cette Afrique, c'est formidable. Je crois qu'il y a quelque chose de puissant. Un chef d'État qui emmène avec lui pendant trois semaines dans un périple, en février-mars, le gratin du monde économique et l'un des personnalités politiques les plus marquantes pendant trois semaines, loin de leurs affaires. Si ces gens-là n'ont pas compris que l'Afrique, et notamment subsaharienne, c'est le continuum du territoire économique, ils n'ont rien compris. Or, ils ont tous compris. Donc ça, c'est fondamental. Donc l'internationalisation à travers ces stratégies, notamment africaines. Mais la place financière marocaine se renouvelle aussi par un autre aspect. Elle donne du sens à la finance de plus en plus. Et pardonnez-moi de ne pas faire le naïf. Nous représentons, là aussi le groupe BMCE Bank, un groupe qui a pris le pari, en votant par Assemblée générale, à l'initiative de son président, de consacrer 4% de ses revenus avant impôt à de la responsabilité sociétale d'entreprise. Il n'y a pas beaucoup de groupes à travers le monde, je pèse bien à travers le monde, je ne parle pas de notre région, je ne parle pas d'Europe, qui ont fait ce... Alors, c'est faire donner le message puissant que la soutenabilité de nos performances, parce que nous sommes un secteur rentable au Maroc, nous sommes un secteur riche, et par les moyens, et par ces hommes et ces femmes. Nous ne pouvons pas durablement soutenir cela si nous ne nous inscrivons pas dans les priorités nationales du pays.
Nous le faisons comme acte citoyen, dans l'intérêt supérieur de la place bancaire et la place financière du Maroc. Donc, elle donne du sens à travers l'inscription dans les stratégies des différentes banques de la responsabilité sociale d'entreprise. Nous menons à travers, par exemple, la fondation BMC Bank, un projet de gestion et de création de gestion d'écoles communautaires à travers le monde, à travers, pardon, le Maroc, et ensuite à travers quelques pays africains comme le Mali, le Congo Brazzaville ou le Sénégal. Mais nous engageons également le secteur bancaire en prenant des initiatives comme le fait de signer les principes de l'Équateur, donc donner le signal puissant que là aussi la finance ne peut pas rester durablement rentable si elle n'inscrit pas des critères ESG d'environnement, sociaux et de gouvernance, en ne tenant pas compte des aspects d'efficacité énergétique. Ça aussi, c'est donner du sens à la finance et ne pas être simplement dans des préoccupations de rentabilité stricto sensu parce qu'elle n'est pas soutenable. Je crois qu'on a la chance aussi d'être un laboratoire social. Tout à l'heure, El Hadi, en tant que directeur général de la communauté bancaire, le disait. Nous sommes fiers aussi de donner du sens aussi à la politique du dialogue social qui existe dans un pays. Je crois que souvent, et ceux qui fréquentent les allées du Parlement marocain peuvent en témoigner, les membres de la Chambre de représentants où siègent quelques syndicalistes, dans les allées du Parlement, on évoque la qualité du dialogue social qui prévaut dans les banques. Et bien entendu, les avancées sociales qui sont dans les banques sont assez remarquables. Donc, heureusement que le secteur bancaire est celui-là, qu'il est rentable, qu'il est solide, qu'il jouit d'une supervision non seulement de la Banque centrale, mais également, on en parlait tout à l'heure avant d'y rentrer, l'ensemble des gendarmes qui surveillent le système financier sont de qualité, tant mieux pour le pays, parce qu'encore une fois, en tant que pilier de l'économie marocaine, on ne pouvait pas faire autrement. Tout a été dit, là, en fait. Alors, je vais essayer de faire une synthèse. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la... Enfin, je parle sous autocontrôle, et dire... Qu'est-ce qu'il faut, parce que tu voulais parler de beaucoup de choses, je vais faire la synthèse. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est-à-dire que Maroc, place financière, place bancaire, parce que la banque, les banques ont encore un rôle assez important. Différents atouts, moi je retiendrai quoi? L'intermédiation. Le métier de bancaire, c'est un métier d'intermédiaire. C'est-à-dire que nous devons collecter de l'épargne, Jean-Marc en parlait, distribuer des crédits. Si nous ne faisons pas cela, nous ne gagnons pas notre vie. Et il faut être pragmatique, les systèmes bancaires doivent être rentables. 74% de l'activité des banques au Maroc, c'est en termes de chiffre d'affaires, c'est une activité d'intermédiation, c'est à la base d'un développement économique pérenne. Autre critère, et ça c'est fondamental, donc ça nous préserve aussi de spéculation. Autre élément très important qui montre le poids de l'intermédiation, c'est le ratio, vous l'avez cité, des crédits sur dépôt qui dépasse 100%, c'est-à-dire que nous jouons à plein le rôle de financeur de l'économie. Alors c'est vrai qu'on est... Parfois, on nous dit « Ah, on finance pas assez les projets. » Bon, quand on les finance trop, on nous dit qu'on les finance trop et que voilà, c'est compliqué. Donc je crois qu'on essaye, en tout cas, les banques, le système bancaire marocain, essaye de jouer à plein ce rôle d'intermédiaire financier et donc de reprêter plus qu'ils ne collectent. Donc ça, c'est quand même un élément fondamental. Quand on parle de collecte d'épargne, parce que c'était un des sujets que vous aviez mentionné tout à l'heure, je pense que la collecte d'épargne, elle se fait à travers forcément la bancarisation. Avec derrière la bancarisation, il faut l'accès. Donc l'accès, c'est forcément des réseaux d'agences. Mais demain, pour la jeunesse, et ça a été cité tout à l'heure par Madame Fall, c'est aussi le digital. Je crois que c'est un enjeu majeur. Il faut être prêt aussi, les banques marocaines se préparent à faire le saut du digital, parce qu'il faut être capable de proposer une autre façon de consommer les produits et services bancaires à nos clients demain. C'est aussi les rassurer, les acteurs économiques. Les rassurer, c'est parler, donc on parlait de l'inclusion financière et de tout le travail dès le plus jeune âge qu'on essaye de faire avec le GPBM, avec la Banque centrale, de formation auprès des jeunes. C'est aussi le travail qu'on essaye de faire auprès des acteurs économiques pour plus de transparence et donc pour aussi faire en sorte que tous les acteurs économiques passent par les canaux financiers classiques, bancaires. Donc ça, c'est fondamental pour le développement économique d'un pays. L'autre sujet important et qui est un atout stratégique majeur pour le Maroc, c'est Casa Finance City, donc je parle sous le contrôle de Saïd, mais je crois qu'aujourd'hui,
on a tout ce que Saïd a dit, et en plus, on a une chance unique d'avoir un lieu de rencontre de femmes et d'hommes qui sont intéressés par le développement, certes, du Maroc, mais aussi à partir du Maroc, le développement, on en parlait ce matin, Hub pour l'Afrique, la relation vers le Sud. Et ça, d'ores et déjà, c'est un lieu de rencontre, d'investissement, de discussion, d'intérêt, ce CFC. À titre d'exemple, le groupe BNP Paribas, piloté par Abdelmajid Fassi Ferry, a un agrément CFC spécifique. On a une équipe régionale de coverage de banques d'entreprises, banques d'affaires, entreprises et institutionnelles. Donc c'est piloté, cette partie-là, par Abdelmajid ici présent. Notre objectif, c'est d'être à la rencontre des clients corporate et institutionnels qui sont intéressés par le développement en Afrique. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Voilà, je crois qu'on a aujourd'hui au Maroc la rencontre, en fait c'est souvent ça, la volonté et la rencontre d'acteurs économiques, de femmes et d'hommes qui sont intéressés par un développement économique pérenne au Maroc et en Afrique. Merci. À ce stade, je vais redonner la parole à M. Ibrahimi, donc le premier intervenant sur sur Casablanca. Je crois effectivement qu'il s'est dit beaucoup de choses. Moi, je retiens deux choses sans vouloir monopoliser la parole. Effectivement, ce côté humain, ce côté qui est très important, c'est, comme je le disais, quand on n'a pas de rente, on a du talent. Et donc, et puis le Maroc a une forme de talent humain qui est de sa jeunesse. Donc, je pense que la formation, le développement vers la jeunesse, c'est très important. Et la deuxième chose qui m'a intéressé aussi, c'est la... Et donc, je vous demanderai un peu de réagir à ça, c'est cette union des banques francophones et ce modèle de banque universelle dont vous avez parlé, qui a été très porté par la BNP au travers de son président Michel Pébreau, et contre lequel s'élève le monde anglo-saxon, et un peu comment, lorsqu'on joue à l'international, lorsqu'on s'insère dans une stratégie financière internationale, comment est-ce qu'on réagit un peu à cette notion de banque universelle? Est-ce que, alors, face à... Alors, je trouve qu'il y a une très bonne formule du président Giscard d'Estaing sur la crise financière. Il dit c'est le dévergondage des banques américaines. Je trouve que c'est une assez belle description. Et donc, comment est-ce qu'on évite qu'on se dévergonde au Maroc? Et est-ce que la banque universelle, qui est un produit assez francophone, est-ce que c'est un bon vecteur? Certainement, ça peut être un bon vecteur. Je voulais peut-être, avant de revenir sur votre question, réagir par rapport à quelques-unes des interventions précédentes. Tout d'abord, quand on évoque pourquoi le Maroc a lancé une place financière, le projet de place financière régionale, attention, on parle de place financière régionale, qui rayonne à l'international. Dire qu'il y a une des raisons, c'est la dynamique marocaine. Oui, certainement, la dynamique marocaine. Enfin, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. L'économie marocaine, ça reste petit. 100 milliards de dollars de produit intérieur brut, ce n'est pas ça qui va faire courir les grandes banques d'affaires. Hein. C'est pas ça, ça reste tout à fait modeste. On a besoin, au contraire, d'offrir une masse critique nettement plus significative. Et c'est pour ça que, quand on parle de la place financière, on évoque l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord. Là, vous avez quelque chose qui totalise à peu près 1 000 milliards de dollars, et vous êtes à peu près comparable à un pays comme la Corée du Sud ou la Turquie, et donc ça devient plus significatif. Donc, en fait, les atouts du Maroc, ce n'est certainement pas la taille de son économie. Les plans sectoriels, c'est bien, mais c'est pas ça. Les atouts du Maroc, c'est d'abord son positionnement géostratégique. C'est le positionnement à la croisée de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est également l'ouverture de l'économie marocaine au sens large. C'est la multitude d'accords de libre-échange que le Maroc a signés avec un certain nombre de pays, qui fait qu'aujourd'hui, à partir du Maroc, vous avez accès à un marché d'un milliard de consommateurs en zone de libre-échange, ce qui est considérable. Les atouts du Maroc, c'est sa régulation, ça a été évoqué. Nous avons des régulateurs aussi bien bancaires que marché des capitaux, que assurances, qui sont reconnues comme étant des benchmarks, pas par les Marocains, bien sûr, ce serait facile, par les instances internationales, la Banque mondiale, le FMI. Je ne sais pas si la Banque africaine de développement reconnaît ces institutions, mais enfin, je considère que toutes les instances internationales font crédit à nos régulateurs. les atouts du Maroc, c'est aussi
sa stabilité politique, qui est aujourd'hui un actif majeur, quand on voit le contexte extrêmement perturbé qu'ont pu connaître certains pays arabes, quand on voit le contexte perturbé qu'on a encore en Afrique, même si la gouvernance globalement en Afrique s'est améliorée très nettement sur la dernière décennie. Donc la stabilité est un atout très important. Autre atout du Maroc pour vouloir ériger une place financière à rayonnement international, ce sont les infrastructures dont le Maroc s'est doté. Il y a bien sûr les infrastructures physiques au sens large, il y a les infrastructures portuaires, aéroportuaires, il y a les routes, les autoroutes, il y a les liaisons de chemin de fer, et il y a aussi la connectivité aérienne. Je crois que ça a été évoqué ce matin par le président de l'ARA, mais depuis Casablanca, vous avez un accès direct, certes par des vols de nuit, mais vous avez quand même un accès direct à plus de 30 villes en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Vous êtes à Casablanca à moins de 5 heures de la plupart des grandes villes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. 5 heures de vol. Vous n'avez pas un équivalent aujourd'hui en Afrique ou en Europe avec, à cette distance-là. Donc voilà les atouts intrinsèques qui ont permis au Maroc de lancer cette initiative qui aujourd'hui rencontre un succès certain, même si on veut toujours plus, mais on peut dire qu'aujourd'hui la réponse du marché globalement au sens large est là. Alors, un autre point, on a évoqué l'internationalisation des banques marocaines. Ça, c'est Brahim qui l'a évoqué tout à l'heure. L'internationalisation des banques marocaines est un fait, c'est également l'un des piliers de la stratégie globale d'internationalisation de la place financière marocaine. Nous avons le groupe BMC Bank, mais nous avons deux autres banques qui sont présentes aujourd'hui au niveau de la banque de détail en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, de manière très significative. Le secteur financier marocain est représenté dans une trentaine de pays africains. Donc il y a une très bonne connaissance de ces pays africains, une très bonne connaissance des projets, des rouages et des personnes dans les pays africains. Ce qui est un atout pour tout investisseur international qui veut découvrir ce continent dont on dit qu'il offre les plus grandes perspectives de croissance pour l'avenir. Et enfin, je réagirai très rapidement sur le propos de Laurent concernant l'intermédiation. Effectivement, nos économies sont extrêmement intermédiées. Les économies marocaines, mais les économies africaines aussi. Et honnêtement, quitte à déplaire à mes amis banquiers, il faudrait plus de désintermédiation. Il faut que les marchés de capitaux prennent le pas sur l'intermédiation bancaire classique. Il faut sortir de ce schéma-là. Il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir une économie uniquement intermédiaire. Il faut que les marchés de capitaux puissent fonctionner. Aujourd'hui, l'une des problématiques au niveau africain, c'est que nos bourses sont petites, très peu liquides et sans profondeur. Il faut développer ça. Et l'ambition de CFC est de contribuer également à développer ce volet-là, sans retirer du pain de la bouche des banquiers, bien évidemment, ça va de soi. Mais on doit conjuguer toutes les possibilités pour assurer un meilleur financement des économies. Et les besoins sont très importants en Afrique, qu'il s'agisse de l'économie réelle ou qu'il s'agisse des infrastructures. Les besoins en infrastructures sont extrêmement lourds et le seul secteur bancaire, le seul financement intermédiaire ne peut pas y répondre. Voilà une très très bonne question. Alors je voulais justement demander à la table ronde de réagir à cette question de l'intermédiation et de la collecte d'épargne et tout ça, et puis aussi accessoirement de l'aspect banque francophone et banque universelle. Bon, je vais changer d'ordre, je vais passer par... Je suis bien sûr en phase avec Saïd. Je crois que l'intermédiation, je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas
construire, on en parlait un peu dans une autre table ronde, il n'y a pas d'exclusion à avoir. Je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de financement pérenne, durable, je crois qu'il faut capitaliser sur tous les modes de financement. Je crois que l'intermédiation est nécessaire, la désintermédiation aussi, et les banques ont un rôle à jouer qui est majeur. Et d'ailleurs, les banques au Maroc jouent ce rôle-là. Elles sont cotées à la bourse, elles ont des filiales de banques d'investissement qui participent à l'émission, à l'introduction en bourse, à des originations obligataires, tous hein, ici présents. Donc nous sommes bien sûr acteurs premiers là-dessus. Je crois qu'il faut qu'on capitalise, et c'est aussi la chance du Maroc qui a plusieurs cordes à son arc, je dirais, qu'on capitalise sur tous les toutes les techniques. Ce matin, on parlait de crowd financing. Bon, il faut qu'on mette, en fait, on pourra parler aussi du projet de loi sur la banque participative, pour être très précis. Je crois que c'est aussi un atout supplémentaire pour, en fait, remplir un seul objectif, hein, c'est répondre à des besoins de financement et de développement, quoi. Voilà, je crois que c'était... Oui, tout à fait. Concernant, effectivement... on prêche des convaincus, les Américains disent on prêche les membres d'une chorale d'église. Évidemment, la désintermédiation est quelque chose naturel dans la stratégie des groupes bancaires et financiers. Pourquoi ? On a la chance que les groupes au Maroc soient principalement les actionnaires des filiales de banques d'affaires. Donc il n'y a absolument, d'un point de vue strict stratégie, absolument aucun jeu d'abord à somme nulle, puisqu'il y a de la place pour tout le monde et nous faisons de l'argent sur l'ensemble des segments. Et je disais tout à l'heure, nous sommes des groupes de banques universelles. Nous adressons tous les segments de clientèle et toutes les activités bancaires et parabancaires, dont les métiers d'affaires. Et précisément sur cet aspect-là de banque d'affaires, nous avons la conviction que, autant que les financements qui existent, les fonds internationaux existent, les fonds multilatéraux existent, les fonds de private equity existent. C'est l'intermédiation d'intelligence qui manque souvent. Soit les tickets sont trop chers pour les banques internationales de venir s'intéresser à des petits dossiers en Afrique subsaharienne. Nous sommes nous-mêmes Africains, on a la chance de considérer qu'on a l'expertise à syndiquer à travers notre réseau pour répondre à justement des problématiques d'origination, de structuration de tous ces deals au niveau des métiers de banque d'affaires en Afrique subsaharienne, et donc compléter l'offre que nous faisons et nous inscrire dans la stratégie menée par Casa Finance City. En ce qui concerne la francophonie, je crois que quelque chose d'essentiel à garder, nous sommes dans un des temples de la culture et nous sommes dans le temple de la francophonie que représente la France et Paris, et nous sommes francophones et francophiles. Les banques marocaines, les trois banques marocaines, Tijeri, la BCP et la BMCE, quand elles vont en Afrique subsaharienne, elles vont en français, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que nous sommes un vecteur de dissémination du français même lorsque nous allons dans des pays non francophones. Comment ? C'est parce que nous continuons, tout de même, bien entendu, nous travaillons dans la langue du pays en question, notamment la langue des affaires, mais ce sont des banques francophones qui vont à la conquête de l'Afrique subsaharienne, surtout dans une banque comme la nôtre, qui n'est pas simplement, et ça c'est fondamental, un élément de différenciation par rapport aux deux autres banques marocaines. Nous sommes également présents en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, au Ghana, en outre, bien entendu, les pays francophones de la CEMAC et du Lumewa. Donc nous sommes un vecteur de la francophonie. Je vais avoir l'honneur et le privilège d'être partie prenante justement dans un forum économique africain qui va se tenir ce week-end en marge du sommet de la francophonie à Dakar. C'est parmi les credos qui vont être affichés, affirmés très solennellement. On en est très très fiers pour le français parce qu'il y a, je pense que les pays francophones dans un monde qui est en régionalisation, où sont en train de se développer des regroupements régionaux qui sont dissemblables, qui ont certes une mitoyenneté parfois linguistique, mais souvent ce sont des mitoyennetés géographiques, eh bien les pays francophones, comme nous-mêmes, peuvent être des têtes de pont entre les différentes régions et différents regroupements régionaux. Et donc, il y a de la place pour une zone francophone, une zone économique francophone, j'irais même une zone financière francophone. En d'autres termes, c'est-à-dire des chevauchements entre ces regroupements régionaux peuvent être portés par des pays francophones parce qu'ils ont le français en partage. Merci. Vous voulez dire un mot et puis peut-être on finira par le Crédit du Maroc. Peut-être. Oui. Peut-être il va ajouter
Bon, rapidement, puisque j'ai constaté que mes collègues ont fait un petit peu de publicité pour leur institution respective, je ne vais pas m'en priver. En fait, c'est juste sans trêve de plaisanterie, mais juste pour illustrer aussi le rôle que peuvent jouer en fait des banques marocaines, hein, des banques marocaines, des institutions sur le plan juridique marocaines qui sont filiales de groupes étrangers. Monsieur Benjelloun a parlé de la présence de la BMCE en Afrique. Pour ce qui me concerne, en tant que filiale d'une banque étrangère et en l'occurrence d'une banque française, nous ne sommes pas présents directement, mais nous avons aussi la possibilité, dans le cadre de notre action de développement et puis de service à nos clients, de pouvoir mettre en valeur la synergie avec un grand groupe international qui est installé dans plus de 60 pays. Donc on peut effectivement attirer des investisseurs étrangers, on peut attirer des opérateurs qui peuvent être intéressés par notre pays, non pas seulement pour en fait avoir des opérations au Maroc, mais également pour faire de leur implantation marocaine une plateforme régionale pour rayonner ensuite sur les autres pays de l'Afrique du Nord, mais aussi sur les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc là aussi, c'est un rôle important que nous pouvons jouer. Alors, pour ce qui nous concerne, pour le groupe Crédit Agricole, qui est un groupe composé d'entités différentes, telles que les caisses régionales, qui est en fait le socle du groupe, mais aussi la banque d'affaires, Crédit Agricole CIB, qui est implanté effectivement dans plus de 60 pays, nous avons réussi des opérations concrètes qui ont permis à des grands groupes étrangers de venir ici au Maroc pour soit en fait trouver des débouchés ou alors carrément investir avec le plus souvent des plateformes régionales qui rayonnent sur toute la région. Donc ça c'est un élément important. Je voudrais faire juste un petit lien qui m'est très cher parce que tout à l'heure, la table ronde précédente, en fait, s'est intéressée à l'agriculture. Bon, le Crédit Agricole, comme son nom l'indique, qui est maintenant une banque très, très, très généraliste, mais il a un point fort par rapport à toutes les autres grandes banques internationales, c'est que c'est, je dirais, le numéro un européen du financement de l'agriculture. Et nous voulons, au Crédit du Maroc, bénéficier de son expertise dans ce domaine-là pour apporter notre contribution au développement de l'agriculture marocaine. Alors, comme l'a souligné ce matin le ministre de l'Agriculture marocain, notre cible prioritaire, c'est le pilier 1, évidemment, tout ce qui est l'agriculture intensive, mais nous ne négligeons pas le pilier 2, où nous pouvons apporter des solutions innovantes. Nous voulons également créer des passerelles, des ponts, entre les coopératives agricoles françaises, qui, comme chacun sait, sont très actives, très dynamiques, ont un savoir-faire extraordinaire, avec leurs homologues marocaines pour des transferts, effectivement, de technologies, de savoir-faire, etc. Voilà un petit peu, si vous voulez, le rôle qu'une banque marocaine, filiale d'un grand groupe étranger, peut apporter au Maroc, la valeur ajoutée qu'elle peut apporter, je dirais, l'élément de différenciation. Je voudrais juste revenir également sur la remarque de M. Ibrahimi. Mon propos concernant le Maroc, effectivement, c'était pas une condition nécessaire. Ce n'est pas une condition nécessaire. Mais une place financière ne peut pas s'entendre si, dans le pays dans lequel elle est implémentée, il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas d'ambition de développement, il n'y a pas de projet. Hein. Mais il est évident que la place financière de Casablanca, son ambition va au-delà des frontières marocaines. Son ambition va dans tout le continent africain avec auquel nous lie tant de liens. Voilà ce que je voulais ajouter. Je vous donne la parole pour un mot de conclusion et puis on vous donne la parole à la salle. C'est difficile de conclure, c'est à vous de conclure, mais les secondes, là, je termine. Oui. Là où il est terminé. Oui. 52e la place financière. 51e la place financière de par humilité, il ne l'a pas dit, donc on a gagné beaucoup de places en peu de temps et donc bien sûr et là. Une vision depuis le début internationale. Il est international, sachant que les banques, comme on disait ce matin, c'est Mohamed Khatani, les banques marocaines en Afrique sont africaines. Là où ils sont africaines avant. Comme nous, les banques françaises installées au Maroc sont marocaines. Et donc, ça, c'est très important pour nous. Et pour donc le développement de la banque. Je ne vais pas revenir sur l'intermédiation parce que ça a été dit, mais je voulais uniquement attirer l'attention. On doit bien faire notre intermédiation pour le financement et bien faire notre désintermédiation dans le financement parce que nous avons commencé à voir
dans certains coins du monde, l'apparition de banques informelles, ce qu'on appelle shadow bank, shadow bank. Et ça, c'est très important, avec aujourd'hui le resserrement des réglementations antiterroristes, anti-blanchiment. Et c'est bien pour la sécurité internationale, nous nous inscrivons bien entendu là-dedans à 100%, avec la FATCA, la fameuse loi américaine fiscale. On commence, et justement, ça nous incite à encore faire encore davantage mieux notre travail dans ce domaine. Et puisqu'on doit faire mieux encore notre travail, tout à l'heure j'ai parlé de plusieurs avec fierté, j'espère avec humilité ce que nous faisons, mais j'ai dit que c'était une créativité volontaire. Et pourquoi c'était une créativité volontaire ? Parce que nous sommes conscients au niveau du Maroc, au niveau des banques marocaines, malgré toute l'évolution que nous connaissons, tous les paramètres que nous maîtrisons, il reste encore à faire en termes de développement au niveau de l'Afrique, au niveau pour aller encore plus loin, au niveau du financement de l'économie, au niveau du financement des TPME. C'est pour ça que aujourd'hui nous avons de nouveaux produits, de nouvelles actions. Et par exemple, tout à l'heure on parlait de fonds, il faut développer les fonds, non seulement de financement de l'extérieur. Ces financements, bien entendu, devraient être dans des conditions favorables, avec des procédures rapides, faciles, parce que sinon, ils ne seraient pas compétitifs avec les conditions de financement interne. Mais également, il faudrait aussi des fonds de garantie. Et nous en avons au Maroc à ce niveau qu'on doit encore développer. Donc il y a encore des efforts de proximité à faire. Vous m'avez posé une question sur la francophonie. J'ai parlé de l'UBF. On n'a pas le temps, je ne voudrais pas abuser donc, de l'assistance. Ça a été créé, là aussi, volontairement. On était en réunion à Paris, ici, dans une rencontre arabo-française, et on a créé une idée, créer une union bancaire francophone. C'est une idée qui date de plus de 20 ans et n'a jamais pu avoir le jour par des conflits, je sais pas, de compétences ou d'individus. Et tout d'un coup, avec la Fédération bancaire française, l'Union des banques arabes, l'Union des banques maghrébines, qui fonctionne toujours, c'est la seule unité, je crois, institution qui marche au niveau de l'UMA, et bien sûr nos amis africains de la CEMAC et l'Afrique de l'Ouest, on a créé donc cette union, et en septembre 2012 à Marrakech, et elle fonctionne avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'efficacité, grâce à l'intervention, à l'engagement volontaire de tout le monde. Et là, nous présentons, Brahim parlait du sommet des banques francophones ou des banques francophones des chefs d'État avec en marge un sommet économique, mais nous avons déjà, nous, réussi. J'ai eu la nouvelle hier que le Maroc a pu présenter, sur proposition de cette union bancaire francophone, une résolution sur l'éducation financière pour faire de l'inclusion financière l'un des soucis, et avec des stratégies précises au niveau des banques francophones. Voilà du concret qui n'a pas coûté grand-chose, si ce n'est donc du volontariat et de l'engagement volontaire. Merci. Voilà. On va donc donner la parole à la salle. Ce que je vous propose, c'est de prendre une salve de 3 questions. Si vous avez une question sur un des intervenants précis, n'hésitez pas à préciser effectivement à qui vous posez la question. Et puis, allez-y. Parlez bien dans le micro. Je vais essayer. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel. Et puis, bravo pour vos initiatives à la télévision qu'on apprécie beaucoup. Alors, je voulais vous dire merci beaucoup pour ces plaidoyers pro-domo pour le système bancaire marocain. Et vous nous ferez presque aimer les citadelles d'argent, parce qu'en vous écoutant, vraiment, c'est... Alors, vous avez parlé, l'un et l'autre, c'est tout aimé, c'est je sais pas et tout, c'est... vous avez parlé de cette responsabilité sociale, de ce laboratoire social, du dialogue social, de l'inclusion financière. Moi, je voudrais vous poser, à partir de ces principes, voir ce que deviennent ces principes quand, par exemple, on vous accuse, par exemple, à c'est tout aimé, de ne pas accompagner suffisamment le développement durable au Maroc, notamment au niveau des PME-PMI. Il y a en termes de conseils, en termes d'accompagnement des entreprises, je crois que là, il y a quand même un problème. Il y a beaucoup de critiques à ce niveau-là. Deuxième question, c'est peut-être au niveau de ce qu'on peut appeler la péréquation régionale. Par exemple, je sais que dans notre région, par exemple l'Oriental ou le Rif, c'est là où on a le maximum de dépôts bancaires qui vont vers le développement de Casablanca, des grandes villes, etc., au détriment du développement de ces régions. Donc, quid quand on sait qu'il y a ce grand projet de régionalisation avant
lancer au Maroc. Quid de cette péréquation financière? Est-ce que vous êtes soucieux? Est-ce que vous êtes vigilant à ce niveau-là? Et peut-être, troisièmement, pour Sech Beitou, je suis frappée cette idée de système francophone, quoi, quand on sait que, justement, maintenant, il y a une sorte de rouleau compresseur de la mondialisation bancaire et financière, notamment au niveau des réglementations, comme par exemple la dernière réunion à Berlin des ministres des Finances, où on a parlé de cette mondialisation de la fiscalité, des mondialisations bancaires. Je suis un peu frappée qu'il y ait cette, si vous voulez, cette singularité du système francophone, alors qu'on a l'impression qu'on va vers cette mondialisation des systèmes bancaires. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre question. Une autre question? Oui, monsieur, là-bas. Oui. Ah oui. Bonjour, Pierre-Olivier Roux, journaliste à l'Usine Nouvelle. Alors, 2014 a été une année pas très bonne pour l'économie marocaine. Parmi les usual suspects, comme on dit, il y a les financeurs. Un des problèmes de l'économie, c'était le secteur immobilier qui était plutôt en panne. Banque Al-Maghrib a baissé ses taux il y a quelques semaines. D'abord, est-ce que vous plaidez non coupable sur le ralentissement économique? Et ensuite, quel impact de la baisse des taux sur la distribution du crédit? Merci. Merci. Une troisième question, peut-être? Oui. Et puis, ensuite, on va passer la... Madame, c'est ici. Ce n'est pas une question, mais comme M. Ibrahimi ne l'a pas mentionné... Yacine Fadl de la Banque africaine de développement. Oui, ça j'avais bien compris. Oui. Et parce que je voulais dire par rapport à CASA Finance City, quand on prend, j'ai parlé tout à l'heure ce matin du fonds Africa 50, qui est un fonds qui va mobiliser pratiquement tout ce qui est disponible comme fonds d'investissement pour les infrastructures en Afrique. La sélection de la domiciliation de ce fonds à CASA Finance City a été fait sur une base compétitive, sur la base de 10 propositions de places financières qui auraient pu abriter ce fonds. Donc ça montre bien que même si Casablanca n'est pas la première place financière en Afrique, en tout cas, en termes de compétitivité, elle est compétitive, elle vient d'en faire la démonstration. Première chose. Deuxièmement, concernant le secteur financier africain, les autres en parlent, nous la finançons, monsieur Ibrahimi. Nous sommes à la troisième phase de financement du secteur financier marocain dans sa globalité et dans tous ses aspects, à la fois la finance inclusive avec le programme de développement de la banque postale jusqu'au marché financier, en passant par les intermédiaires financiers, soit par le biais de lignes de crédit, soit par le biais d'appui à la gouvernance du secteur financier, le financement du code monétaire et financier marocain. Merci pour ces précisions. Alors peut-être une dernière question, et puis après on donnera la parole à la tribune pour qu'on puisse répondre, parce qu'on arrive un peu au terme de nos... Voilà, on arrive, le président me montre la montre, et donc nous arrivons au terme de nos débats. Ensuite, je donnerai la parole à la tribune. Allez-y, vous vous présentez. Bonjour, Nasser Jama, journaliste à l'Usine Nouvelle. Ah, c'est un festival, l'Usine Nouvelle. Non, c'est pas une critique, c'est pas une critique. Donc très bien. Donc on vient de parler de la finance dans un pays musulman comme le Maroc. Et à mon avis, on ne ferait pas complètement le tour de la question si on n'abordait pas le cas de la finance islamique. Je sais qu'il est balbutiante dans plusieurs États. Elle existe de par le monde. Des tentatives ont été tentées jusqu'à aujourd'hui. Et tout récemment encore, même si la loi est passée, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc le Maroc a aussi fait évoluer sa législation dans ce domaine-là. Ce que je voulais savoir, donc, c'est juste connaître votre point de vue sur la finance islamique, à la fois au Maroc et puis son développement futur. Merci. Donc, moi, je retiens, il y a quatre questions. La finance islamique, la situation conjoncturelle du Maroc, la RSE, et puis le caractère un peu régional de la collecte des fonds. Est-ce que Casablanca n'est pas... Donc, qui veut prendre... Alors, vous répondez à quelle question? Très bien. Deux questions. La finance participative, allez-y. Très bien. Et la question sur le BF. Voilà. Ah oui, c'est vrai, absolument. Allez-y. J'ai pas oublié.
Rapidement, puisque... Très rapidement. La loi devait passer hier, lundi, donc sur la banque participative. Vous savez que dans les atouts du Maroc, on a parlé de beaucoup de choses. Peut-être on n'a pas dit, ou en tout cas j'ai omis de dire, que quand même il y a tout un arsenal juridique nouveau, très important, du droit des entreprises, du code de commerce, du code pénal, de la Moudawana, depuis l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, toute une série de réformes audacieuses sur le plan bancaire. Première loi bancaire, 21 avril 67. La deuxième, on a attendu 33 ans, 6 juillet 93. On a attendu 13 ans, 14 février 2006. Et on a attendu uniquement 8 ans pour justement sortir, ça devait être voté hier, une nouvelle loi bancaire dans laquelle il y a 19 articles sur la banque participative, la même appellation utilisée en Turquie. Et certainement, ça va concerner une frange de la population. Ce sont des produits qui vont être proposés par les banques marocaines. Nous sommes préparés déjà pour cela. Et donc, ça va aussi ajouter justement à cette inclusion financière, à cette bancarisation. J'ai cru lire dans un document préparatoire de cette conférence que le Maroc, d'ailleurs c'est dans le programme, peut bancariser. Ou une faible bancarisation. Non, nous sommes à 62% aujourd'hui, alors que nous étions il y a moins de 15 ans à 18%. C'est très très important pour nous, grâce aux efforts faits par les banques et par Bakr Maghreb. Pour l'Union bancaire francophone, vous savez, madame, la mondialisation, ça ne veut pas dire l'Union. La mondialisation, ça veut dire parler la même voix, dans le même cadre, dans la même réglementation, mais en respectant l'identité de chaque groupe ou de chaque nation. Et donc l'Union bancaire francophone sont les pays, comme dans ce cas, il y a l'OIF. Ça ne veut pas dire que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, est en dehors du monde. Au contraire, ce n'est pas un conflit. C'est uniquement la mise en valeur d'une identité par la langue, qui est le français, mais on dépasse, nous, au niveau de l'Union bancaire francophone, on a dépassé cette définition de l'OIF, parce qu'il suffit qu'il y ait des relations économiques, financières, entre pays francophones et non francophones, pour permettre justement à ces pays d'adhérer à l'Union bancaire francophone pour des thèmes porteurs pour tout le monde. J'ai parlé tout à l'heure de trois thèmes. La PME, l'éducation financière, la sécurité. Regardez, ces trois thèmes qui fédèrent tout le monde. C'est donc fédérer, c'est pas être en dehors du monde, c'est au contraire. Merci. Sur la péréquation, c'était vous qui étiez directement responsable. Oui, alors la péréquation, je crois que la régionalisation, effectivement, nous nous sommes engagés dans une politique de régionalisation, c'est-à-dire empowerment au niveau des différents décideurs à travers le Maroc, c'est bien effectivement pour coller encore plus dans une préoccupation de proximité et coller encore plus à la réalité. Quant à penser que nous serions véritablement dans une espèce de comptabilité qui nous pousserait à dire nous avons collecté tant montant et donc nous devons... Je pense que ça sera davantage des indications qu'une systématisation de ce genre de démarche, parce qu'il faut des projets bancables tout de même à financer. Nous sommes heureux que certaines régions aient davantage de dépôts à donner que d'autres régions qui sont davantage consommatrices. Donc la péréquation, oui, comme voyage et non pas comme destination. Un mot sur la finance islamique, on est très fiers que toutes les banques marocaines puissent se trouver inscrites dans cela. Que je disais tout à l'heure, la finance marocaine se renouvelle. Elle se renouvellera grâce à la finance participative. Et nous sommes très heureux que ce terme ait été utilisé, parce que nous pensons que c'est de la finance éthique selon une éthique qui se trouve être la religion musulmane. C'est très important parce que, imaginez-vous, si on s'amusait à appeler au Maroc des banques islamiques par rapport aux banques conventionnelles, on aurait d'un côté les banques haram et les banques halal, et le Maroc se tirait une balle dans le pied. Et donc nous sommes très heureux qu'il y ait eu cette sagesse qui ait prévalu, et toutes les banques marocaines sont disposées, bien entendu, à jouer le jeu, et elles se trouveront derrière ça. Un mot du ralentissement, oui, je pense que les taux d'intérêt réels de l'économie marocaine, avec la baisse du taux d'inflation,
effectivement s'élargissent quelque peu, mais le signal est là, les banques jouent le jeu, il y a une telle concurrence de toute façon entre nous, je crois qu'on peut chacun d'entre nous, tout en maintenant les meilleurs rapports, nous le dire, et donc c'est un signal qui est donné. Ce ne signifie pas que ce sera une systématisation des baisses des taux d'intérêt, parce qu'imaginez que la tarification doit être en fait basée sur l'appréciation du risque. Et par conséquent, il y a bien des clients qui n'auront pas mérité de voir leurs conditions baisser compte tenu des risques qu'ils supportent. Donc je crois que le Maroc, en termes d'infrastructure financière, a fait un grand pas quand il a mis en œuvre une centrale des risques. Et nous espérons qu'elle puisse continuer de s'améliorer avec peut-être la mise en place d'une seconde centrale des risques, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le crédit bureau, parce que la connaissance intime de la réalité des engagements des clients est l'une des premières mesures de bonne tarification, de bonne connaissance du client, et c'est cela qui résoudrait plus structurellement les aspects de suivi, d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Nous sommes un système bancaire qui est encore une fois soumis aux règles internationales. Nous ne sommes pas, de ce point de vue-là, des philanthropes qui imagineraient, octroyer des crédits sans tenir compte de la réalité des entreprises. Il y a un effort considérable qui a été fait par les banques pour accompagner les PME. Toutes les banques peuvent en témoigner, mais là, c'est véritablement une antienne, une rengaine régulière par rapport au fait que les banques, vous venez en France ou ailleurs, les banques n'accompagnent pas suffisamment. Je crois qu'il y a un effort réel, il y a un accompagnement qui est fait à travers des dispositifs sur lesquels l'ensemble des acteurs au Maroc se sont mis d'accord. Il y a beaucoup d'améliorations à faire de ce point de vue-là, mais s'il vous plaît, ne jetons pas l'anathème sur les banques. Elles ont des règles à suivre, il y a des règles dans l'intérêt de la solidité du système bancaire qui permet d'accompagner plus structurellement les communes marocaines. Merci, vous avez commencé, vous dites un dernier mot et puis nous allons... Allez-y. Merci. Voilà, merci. Écoutez, je voulais juste réagir par rapport à l'intervention de Mme Fall de la BAD. Effectivement, le Fonds Africa 50 est un outil extrêmement important pour le financement de l'infrastructure en Afrique. C'est un outil très novateur qui va apporter une nouvelle approche dans le financement des grands projets d'infrastructure interpays au niveau du continent. Il va rendre ces projets bancables, il va trouver les sources de financement. Et c'est un véhicule qui a cette particularité d'avoir l'ambition d'être coté au niveau des agences internationales. Il vise la cotation, le rating A. Et à partir du moment où il a le rating A, il pourra collecter l'épargne africaine. Les pays africains aujourd'hui qui ont de l'épargne vont souvent chercher du papier qui a une bonne cotation, le A ou double A ou triple A. Le A, double A, triple A, véhicule en Afrique, il n'y en a pas. Et donc, les pays africains qui sont en excédent de dépôt, en fait, qui ont un excédent de ressources sur leurs emplois, vont prendre des bons d'État européens ou américains, principalement. Ils financent les infrastructures dans ces pays-là, en réalité, et ils ne financent pas en Afrique. Donc le Africa 50 est un véhicule qui a cette particularité de pouvoir recycler également une partie de l'épargne africaine dans un véhicule qui aura la bonne cotation. Et c'est une excellente démarche. Et nous sommes très heureux à CFC d'avoir accueilli le Fonds Africa 50. Juste pour terminer, CFC est aujourd'hui une réalité opérationnelle. Nous sommes classés 51e mondial et 2e africain. Et nous avons dans notre écosystème 60 entreprises venues de tous bords qui exploitent à partir de Casablanca leur potentiel de développement africain. Et c'est ce que je souhaiterais voir au niveau d'un plus grand nombre d'entreprises françaises qui ont intérêt à développer leur business en Afrique. Voilà, merci. Merci, merci à la table ronde. Je crois qu'on peut remercier tout le monde. Oui, exactement. Pour la densité et la qualité des propos qui ont été tenus, nous cédons la place à la table ronde suivante, en espérant qu'on n'a pas trop débordé.